Nach Ihrem Befehl, mein Führer! Constitution ya bapaya esalemi pona bolamu ya mboka Kongote esalemi ya bapaya epo na bapaya esengeli komema constitution ya mboka na biso na ba réalité na biso ya lelo ko réfléchir autour de cette constitution wala maloba tata mokambi ekolo kuna ya Kisangani bisika wapi akenda ki ko inaugurer misala mwa mingi o esalemi kuna na ngambo wana gouvernement pe équipe mobimba ya kompanya ki bisika wapi ba sala ki conseil de ministre moko na lelo. Mais ma réaction est kiti le kola mbula. Ba ebele bazali d'accord te na maitata mokambie lobaki et la Cinco Église catholique balobi bango bazali pe contre changement topé révision à constitution parce que toza fragile et que ko simba constitution na ngonga oyo et ko ikomema trouble et ko ikomema bongo mabe na mboka Congo bande ko balanti mbote na bino partout à travers le monde face à l'opinion ya moko na lelo to ambeli bino moko ya bayi congolais o bolingaka mingi kasi ya bandaki ko beta tangwa uta kala likambetali changement ya constitution to rozungi na pema ya matali bongo gouvernement soumis na ebe na bat bazolo ba mosa ezali ko sema mala monte esengeli balongo la mama po batia moto mosusu ako sala mosala mala bozali ko partager likanisi wana to te na bandi boko réagir na numéro ezali affiché na baye bekan na bino kasi yambo to pesa mbote na ndeko oto zaye na ye mwana mboka fumu toto basanga mbote na yo ayo mama Naomi mbote na ndeko dane yalo wa français to pesa mbote pe na français salutation à monsieur Dan et salutation à tous ceux qui nous suivent sans oublier ceux qui n'aiment pas tango tata mokambi ya lobi likambeta li constitution réaction na libosio zaye kini réaction na ngai zaye ki réaction de satisfaction parce que makambo mukonza mboka lobaki na fond ya changement constitution na makambo ngana lobaka sur la possibilité ya fond ya constitution ya changement constitution to révision ya constitution na moni différence ali makasi te susi nanga liboso ya ngwana susi mbale lobi procédure ya kosalela et pesinga so sengo bien que tokolo baboyeme na kati tokomi changer makambo pour manto veiller à lobi que ezana no urgence suko te comme pour dire ezana mbulo yote mais na mbula ekoya akoki kotia commission ekoya ezana déjà dans 2 mois bon mbule ekoya katu lo baka ndenge ya lobi kite et puis akotia commission nationale mais oku renformer bato ya ba discipline nyonso. Alors que on a dit que pour nous savoir que l'icambo itali pour concevoir d'abord option à cause la constitution ils ont un rapport directement la bande qu'on a vu sur bami bengaka ba constitutionnaliste tout bateau à sali faculté à droit et tant on konzambo ka lobby en tout cas magambo nanga kanisi nanga na yé saineti balani pour nanin soit que mon konzambo ka lobby constitution ya biso ezali mabe balami balen na répété et puis esengeli toye ba ke concerne e komama ki na bapaya libanda et puis abakisi esengeli to sala constitution o ezali ko balana na ba réalité na biso or réalité ya peuple ezala na ba science nini tokoki ko zo attendre ko dana soka na constitution na sin ko dana la constitution là on peut nous prendre le préambule même de cette fausse constitution ou de cette constitution que nous voulons dépasser. Au commun que na préambule na yango il y a des sciences qui sont des sciences to benga ngona sciences sociales, na sciences politiques, les sciences nous les sciences de l'esprit. Or lorsqu'on parle des sciences de l'esprit, le droit n'est pas du coup une science de l'esprit. Le droit est une science sociale normative. Mais ceux qui totangi da na koyiko tangela biso na li français nga na olimbole na ingala na préambule la constitution otolobi nini nous peuple congolais ni par le destin par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté piso baimboka Congo nous c'est l'identité peuple congolais virgule uni par l'histoire
Est-ce qu'histoire est à faculté à droit? Est-ce qu'histoire est à formation, ya? Pardon, pas les destins. Il y a un destin. Destin, c'est quoi, batana, on a faculté, ni? On a droit. Destin, est à la cana, courant, babé, en haut. Actuellement, on appelle ça en sciences politiques exopolitique. Dans la langue simple, babé, en haut, spiritualité politique. Kalano, babé, en haut, la philosophie politique. Et c'est qu'à bakoutaka, destin. Tokoki corridor en gotobe ngango la théologie de libération. Vous comprendrez que constitutionnaliste ou assiste na faculté à droit na maman ka constitution ça on a première position. Il faut d'abord qu'il y ait un politique parce que constitution la ka d'abord ba tout ba sala ka politique ba ya ka na vision ba ya ka na mission ba ya ka na fondement eza couler na ba valeur pe ni idéologie. Ba tout wana ba ya ka na philosophie politique. Bah, y a qu'un l'esprit de l'État et de la République. Bah, y a qu'un spiritualité du développement. Des bangou, bah, bien, destin. Deuxième science. Il n'y a pas le destin, Virgile. L'histoire. L'histoire. Et l'histoire. Or, il y a l'histoire, oh, yo. Il y a peuple, ils trois sciences, quatre. Ils en ont droit. Ils ont lu tout le temps pour nier apport à la juriste. Mais, to lingi kembalo lokola mukonza mboka lobi to kosala commission oye kosangisa baimbo ka ya ba discipline nyonso to sa susu erreur o to sala ki na konsua karate bo lobi to esuku loba alors to kotala boye nous peuple congolais histoire na biso zanin histoire d'un peuple zalaka sociologie politique na ye ba tuwana ba benga malelo mutu moko ba luba ba kongo ba tetela ba kela bauta ki wapi moto na moto. Est-ce que bauti na koko moko? Parce que par exemple les Japonais, ils ont origine na bango ezali d'abord biologique. Ba onyo soza satan moko. Par exemple les Coréens du Nord, Coréens du Sud. Fondement système politique na bango ezali lié na kitu na bango aussi na génotype na ngo sali baza makila moko. Par contre na sociologie politique ba américain, baza te peuple bauti na koko moko parce que ba amérindien au Basali, bah, tout à l'Iboso, occupé qu'à Amérique, n'a 13 colonies anglaises, ou y'a, bah, ça, beaucoup, comme mon côté, mais, source, et à conscience, à Bangoué, Zali, les affaires, le business, ça veut dire, le capital. Y'a au moins une tendance, à bah, parti politique, et Amérique, et y'a, à 80%, peut dire, même à 90%, sous réserve de me tromper, Zali, libéral. Ça veut pas que ce sont les 13 colonies anglaises, n'est que pour ça les États-Unis. Sous bassement en sociologie politique, ils ont lié d'abord une économie. Par contre, si vous prenez l'État français, la sociologie, l'histoire, c'est un pays de philosophie. Si vous prenez le système russe, c'est différent. Maintenant, Baloué, il n'y pas le destin. Il n'y pas l'histoire. Après la sociologie, vous allez prendre l'histoire, l'histoire politique, l'histoire culturelle, l'histoire économique, bah, toi, on a, bazale, l'eau, l'eau, bazale, kindengenin, bah, migration, na, bah, ouava, bah, comment, bah, outé, parce que, conscient, bah, ça, là, ouava, bah, dans la bilo, kouana. Même dans, ouava, la tourbia, conscient, la bise, ça, fédéral, ou fédéraliste. Mais, fédéralisme, c'est histoire, anthropologie, na, sociologie, de, et beau, t'as, fédéralisme. Et ça, dit, droité. Zala maman na vendi ça na loba tant au président lobi que tout ça conscient coquine la réalité mais soit toi comprends réalité en ouais anime alors ngai le coup la paix na tant moi classe wana moke na ninga to kabola moi bu conscience na zana ngo sur parce que na zana ignore conscience mais conscience na ngato kabola place wana après ba kozwa anthropologie politique ba to to monde ba bingen ba congolais ba gwande ba bangala bangala ba tala raté mais tout le bakana sans ma bon comprendre ba swahili mais ba swahili ba tala raté y a pas un peuple swahili au Congo, il y a déjà qui parle la langue swahili mais y a pas de swahilophone parce que mouto solo ba swahili na Congo na est to nani adala mno kwamboka na e. Et donc, la moutonne sur le Walinga, la Zalam Noramboganae. Ce n'est pas comme les Kikong ou les Chuluba où, non seulement que c'est une langue nationale, mais aussi il y a des tribus qui parlent cette langue-là. Ce n'est pas le cas pour les Lingala et le, même si vous dites les Makanza. Les Makanza ont d'autres langues en dehors de Lingala. Donc, à côté de l'anthropologie, à côté de la sociologie, puis à côté de la système économique et à Batouana. Après, on va venir dire quels sont les ennemis communs de ces peuples qui veulent se créer ou qui existent. Deux, quels sont les intérêts communs
3. Quel est le travail commun? 4. Quel est le bonheur commun? Maintenant, on doit penser maintenant on a pouvoir politique. Le pouvoir politique maintenant devient un système d'autorité globale où il faut protéger Batoua Nanyos contre l'ennemi commun de l'intérieur et de l'extérieur en faveur du bonheur commun par le travail individuel et collectif. Il y a un fondement, il y a constitution. Alors, on décodane. Nalingina tout dans ce qu'on question pour Batoua comprendre. Même si, parce qu'il faut savoir que ce qui Batoua Boya, opposa à Koki jamais qu'aux Alawana pour en dire projet de société et à pouvoir. Nous ne communiquons pas pour convaincre les opposants en fait que Bandima révision à la constitution. C'est grave, un opposant Andima projet à révision à la constitution proposé par le pouvoir. C'est qu'à ce opposant. Hein? Ce projet doit, ça, doit avoir pour sous-bassement le respect de la constitution. J'arrive. Alors, deux, notre société civile est libre cause à la pour, cause à la contre. Parce que tant qu'on va ça la constitution, et la Yamabe, et la Yamam Namboka, il faut d'abord savoir qui a le pouvoir de le faire. Parce que question la biso to za covid to ko éviter question vrai maman Naomi, est-ce que moto za na pouvoir za na tort ya koloba to changer constitution to réviser en té ba constitution se za na mokili mobimba ba pesa ngo na bato ba za na pouvoir to ba to na pouvoir na opposition ba lembisani ba kei ba sali constitution pacte maintenant ndenge nini ba salaka yango suko nani nga na sukisa wana na comprendre ba comprendre ko ba bengi té réalité. Maintenant, tout ce qu'on a préambule au Tangi, l'avant à dernier alinéa, et l'obi, biso ba congolais, soko tolingi tomi bongisa, toko bongisa démocratie na biso, to bongisa économie na biso, to bongisa kiti na biso, lo lenge ali kambonini, nanzela ali kambonini tanga na nango. Avant dernier alinéa, ya préambule, ya constitution oyo, eza siko, en vigueur. La suite. Avant de nier à l'INEA, et après, tu as besoin de l'INEA, on a peut-être l'ongo. Réaffirmant notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle, selon notre propre génie, selon notre génie propre, conscient de nos responsabilités. Réaffirmant notre droit inaliénable d'organiser librement notre vie économique, politique, sociale et culturelle, suivant notre génie propre. Préambule à conscience, précis, ce qui est du réseau dans ma lobby qui est constitué Zali Mabe et comment on a papaya et qui a tenu compte de la réalité n'a pas sauté. Mais dans le préambule, il y a un lobby. Tondi malisu swata batu baboy, réaffirmant notre droit inaliénable d'organiser librement notre vie économique, sociale, culturelle, politique. Droit inaliénable et imprescriptible. Vous voyez ce que ça veut dire? Prescription, c'est un délai oyo, législateur, législateur, apesaka, donc, moubeko apesaka, pour le kambouana. Et l'endemain. Par exemple, il y a une infraction. Ce qui est quoi en droit à prescription, c'est une infraction. Bah, le but, par exemple, menace de mort ou menace tout court. Et cause à la poursuivable, au gros fondamental, suivant 5 ans. Après, ça, exemple, moi, je comprends prescription. Net, il y a nos droits de réponse. Dès que mon talobé, l'inga, ma bé, là, c'est suivant votre compréhension. C'est votre compréhension. Non, définition à prescription, en gros, en bas, kobongisa kokoma ko sala nyonso ko landama na bonsomi to bo Congo hein génie propre za ki Congo donc congologie c'est ça génie propre bon na mayela na biso moko non eza droit inaliénable et imprescriptible c'est il explique ce qui est dit là parce que il y a tout une question na lingala na boy to tanga kambala moko boye ça va toi comprendre c'est-à-dire tant que c'est que tout ça la conscience ils ont reflété ba réalité na biso. C'est même reconnu dans cette constitution. Que Tokoki s'amène qu'on sa la démocratie à la manière des Français. Tokoki organise jamais démocratie à la manière des Anglais. Et puis sur la science politique, il n'y a pas de système politique type. Chaque peuple a le droit de battre ses institutions, sa constitution, selon la réalité, pourvu qu'elle résoudrait le problème à peuple. C'est quoi nos réalités propres? Alors, c'est quoi nos réalités propres qui ne sont pas reflétées dans cette constitution?
bon. Qu'on doit changer. Maintenant, Bissoto dans la quatre langues. Hein? National. Parce que le français, comment on va faire la langue dans Bissoto? Parce que le but est d'organiser notre vie économique, sociale, culturelle selon notre génie propre. Français, c'est un génie propre dans Bissoto. Pour adopter un peu. Au coquille, on joue l'article 1er à la Constitution. Constitution, parmi les dispositions fondamentales, et précise la nature de l'État. Fond et forme. Ah, exacte. Et précisa qu'à souveraineté, il y a un mot kawana, il sait pas nan. Ah, ou à balobi, l'État exerce une souveraineté sur le sol, le sous-sol, l'espace aérien, la cuisse, article 9. Est-ce que souveraineté n'a propriété, c'est le komoko? Deux. Donc, il y a un article 10, alinéa 2. Balobi, l'article 5, toute souveraineté appartient au peuple. Mais peuple wana balobi, peuple congolais, parce que l'introduction à l'obi, nous, peuple congolais, unis par le destin, l'histoire. Mais peuple congolais, article 10, alinéa de l'Obini, est congolais, toutes les personnes appartenant au groupe ethnique et tout ça qui sont devenus au Batalakina Congo, le 30 juin. Il faut le temps pour comprendre. Donc, Bissoba Luba, Bissoba Ngala, Bissoba Tetela, Bissoba Kela, tu existes à partir de Kokuta Manamnesa. Ce soir, c'est-à-dire tata mongo est belge, maman mongo est angolais, le goût la bakouta maki wana n'est pas comme congolais. Tous les partenaires mongo, histoire ni, tous les partenaires mongo, destiné. Aujourd'hui, on a qu'on a créé un peuple fictif. C'est-à-dire, on peut prendre d'autres groupes ethniques. Aujourd'hui, au cas James, Kabare Bazoloba, tous les Zouambo Kawana, Luchuru, parce que les Banyaranda, Bazawana, yoso yoka na histoire. Il y a bien sûr la migration, tu vois, là, en Congo, peuple, mon gobain, il y a Banyaranda. Même peuple, mon tribu, mon gobain, il y a le président a dit que les Banyamulenge sont nos frères. Les habitants de Mulenge sont nos frères. Parce que Mulenge, c'est une montagne qui est en République démocratique du Congo. Les gens qui y habitent sont nos frères. Mais une tribu appelée Banyamulenge n'existe pas au Congo. Mais qui habite cette montagne? Mais il faut aller sur place. Particulièrement. Il y a des Tutsi Congolais qui peuvent habiter là-bas, mais ils ne sont pas des Banyamulenge. Banyamulenge n'a jamais été une tribu. Tutsi Congolais. C'est-à-dire, par exemple, les Balouba qui habitent Mangengenge, je donne un exemple. Les habitats de Mangengenge, mais tribu na bango za Mangengenge. Il faut que les gens découvrent l'histoire. On n'en disconvient pas. Mais quand on le vocable Banyamulenge, et particulièrement quand on l'évoque, il est généralement lié à cette communauté-là du sud Kivu de la montagne de Banyamulenge, cette communauté Tutsi. Non, partout où il passe, il se présente comme étant les Banyamulenge. Mais c'est déjà un problème. Parce que Banya à Kinyaranda avait dit les habitats de. Ce n'est même pas langue congolaise. Banya Mulenge, les habitants. Banya là, c'est à Kinyaranda. Bisso, Bayaka, Baluba, Bakongo, Batetela, Bakela. Bisso, tu le babongo. Bisso, tu le babanya. Ce qui peut le monde, c'est le babanya. Boli, misangai. Mon moins, Banya, c'est à Kinyaranda. Dans les 450 ou 500... Cherchez-moi dans la liste des tribus, il y a beaucoup de sociologues ici qui publient. Est-ce qu'il y a une tribu qu'on appelle Banyamulenge au Congo? Ce qui n'a évité Boli Misangai, c'est que je ne sais pas existe. Mais au moins, je suis un ignorant conscient. Je sais que ce que je sais et ce que j'ignore, mais je sais que ce que je défends et ce qui est vrai. D'accord. Donc, vous avez compris, maintenant, Zonga n'a pas Balobi, to sangani na destin, to sangani na histoire. Mais lorsqu'on nous crée des tribus qui n'ont jamais existé avec nous dans notre histoire, parce qu'il n'y a pas un jour où les Baloubes ont commencé à exister. Qui a créé? Il n'y a pas un jour où les Bakong ont commencé à exister. Depuis Adam, nous existons jusqu'à aujourd'hui. Date à création à Baloubes, exacte. Date à création à Bakela, exacte. Mais ici, nous pouvons situer qu'à 1900, à 1885, telle tribu, où ils ont imposé la loi d'Israël qui n'a pas monté. Les lois, c'est démontrable. Maintenant, ceux qui tribuent Wana, Elingi est proclamé autonomie dans Mabele à Congo, ça sera une double agression. Quand vous dites on nous impose une tribu qui n'a jamais existé au Congo, c'est cette construction qui n'a pas voulu tracer notre destin, notre histoire et notre génie propre. Yo, tout n'a qui question. N'a pas ce sous-question, Mbalabalobi, Priambiolobi, Tokotongambo, Cannabiso, Nabwa, Bwama Congo. Français propre, la congologie. Science, expertise, étrangère ou nous-mêmes, ils ont promouvoir la boîte à Congolais. Alors, si vous dans votre sali, vous avez une question. Les Belges, les dirigeants qui sont en République,
Babel, je vais cotiser, biso. Et là, qui? Royaume, enani, république, ya Belgique. Non. Bah, moi, qui, royaume. C'est-à-dire, mon konzati, qu'à la calibela, à l'ongwarate. N'est-ce pas? Maintenant, le roi règne, mais plutôt ne gouverne pas, mais le roi est éternel, n'est-ce pas? Maintenant, Bakoko na biso, Bazaka République. Quand vous dites Bakoko, vous faites allusion à Bakoko na biso, c'est-à-dire, quand vous allez chez les Balouba, quand vous allez chez les Bakongo, quand vous avez chez les Bakela, au Sankuru, nous sommes à Lomela, les Bakela, nous sommes dans le secteur des Bakela. Quand vous allez à Dipinga, chez moi où je suis roi, est-ce que dans votre tribu, il y avait des présidents de la République? Est-ce qu'il y avait même des chefs d'État? C'est une importation occidentale. Ah, Batebele Baye Barate, que les chefs de terre, n'a chef de l'État, et Zali Boutouna Mouzam Tumorote. Batebele Baye Barate, Batebele Baye Barate, que tout chef de l'État n'est pas président de la République. Qu'est-ce que vous voulez en venir? Ah, c'est-à-dire que, tant que le président Lobby, tout ça, la constitution, cette fois-ci, selon la réalité Nabiso, même si on ne l'aime pas lui, on pouvait dire oui, mais et de la tête, il a profité pour Naboy. Oui, mais Toboy kakaoyo. Mais on ne pouvait pas dire Lokuta, Toboy. C'est comme si on ne veut pas aborder les vrais problèmes du Congo. Je vais citer en disant ceci. Allez-y, maman. Le président, tu sais qu'il t'a dit que notre constitution n'est pas bonne. Sur quel point constitution n'abuse à Malamoto? Tu aurais relevé quelques dossiers. Il y a mis la lobby constitution n'abuse et Zaya qui rédigeait n'a pas étranger pour n'a pas étranger et par les étrangers. Bah étranger ni n'a rédigé constitution n'abuse et n'a pas canicini n'a sima. Pour tu opé s'abuse déjà bah réalité au yambo cannabis. Et vous pensez que changer la constitution l'élo et qu'on résoudre bah problème ni au soyo sota. Bon, ok. Pourquoi déplorons-nous le tribalisme, le régionalisme dans l'institution? Pour nous, nous avons dit que nous avons dit ministre, Azam Mongo, Azam Mouluba, Azam Kongo, selon les cas. Pour que cabinet n'est au DG, 80% de la cabinet, nous ne sommes pas. Pourquoi? Même si nous déclarons que nous avons dit tribalisme, est-ce que dans les faits, nous avons dit une constitution battue sans tenir compte de cet entêtement est une fausse constitution? Mais depuis 18 ans, mais vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Au moins, les Tunisiens, parce qu'on a des tribus Pamba. Pour basse la constitution unitariste de Kosimba. Au moins, les Coréens du Nord, les Coréens du Sud, basse la constitution unitaire de Kosimba. Mais bisous, ceux qui t'ont créé la constitution à tendance unitariste, il faut casser des tribus, il faut tuer des valeurs et parfois même des personnes qui vont résister. Comme en France, pour avoir la langue française. On a éliminé beaucoup de langues et imposé une langue. Est-ce que les Congolais sont prêts à faire disparaître leur tribu? Parce que Porto comme nation, au sens sociologique du terme, ou ethnologique du terme, et Sengeli, tout ça là-bas, tu vends ici 400, tu vends ici combien? Plus de 400 tribus, tu vends ici en gros, tu sali un, étant de lieu à la tribu Nyoswana. Deux, tu sali conciliation des valeurs. Toi, tu bobines certaines valeurs de ta nation du point de vue culturel. Voilà pourquoi tribaliste est enregistré dans l'institution, parce que Mundele Tangaye Kosangisabiso, Akuta Ebiso Mokotozo ensemble, il a fait des théories, diviser pour mieux régner, unir pour mieux régner. Ça dit ce qu'Akuti, chef Teke ou chef Yakayamakasi, a déporté chef Akeinaye comme c'est roi. Il y a tribu et ebani na yete a imposé babengi chef medaye mais azui chef moka uta kana tribu mso atiki wana ya mona ka même 80% va pouvoir coutumier na biso. La plupart des chefs coutumiers ne sont pas les autochtones de ces entités là, c'est les blancs. Donc il nous a uni contre gré et il nous a divisé contre gré. Constitution to ko sala les ali sous ce sentiment ya sécurité et ça sentiment kabila te et ça sentiment fumto tote et ça penza que to ye baké cette constitution ne reflète pas notre identité. Nous peuple congolais, nous avons existé notre façon à kubala na dans la constitution na personne le comme ibale to sali ko kende na mboka to lobi to sali état unitaire fortement décentralisé. To pesi ba entité na ba province la personnalité juridique selon l'article 3 de la constitution. Ce qu'on t'a dit, dédoublement institutionnel, y'a qu'au sacanaté. Je vois ce qu'au personnel administratif, oh, t'a dit, toi, invité, n'a pas province, seigneur.
naba député provinciaux, naba gouverneur, naba cabinet na bango. Si naba nzé territoire décentralisé, mbongo kokende kuna, toko sa la projet agriculture, pe mbo keza développé. Prenez tout ça qui est en complaisance. Parce que c'était une condition de belligérant. Fondement d'angoué, c'est un nini. Ba rébellion, et quoi, 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 sa Kabila te, Kabila pe, et quoi, 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 na architecture d'échec wana, bah, que ça la conscience qu'on stabilise, moutoumou kota dans le pouvoir. Et en le faisant, bah, bloquer le fond de notre système culturel. Mais le professeur Mbata, je vais vous poser sa pensée, qui est un constitutionnaliste respecté à travers le monde, il a dit que cette constitution était l'une des meilleures constitutions du continent africain. Il avait dit avant la fin du mandat du président Kabila. Il avait tort et raison. Il avait tort parce que moi, je vous ai dit que juriste a coquille cause la expert dans la constitution, parce que la constitution n'est pas une loi, c'est un pacte républicain, c'est un pacte national, c'est un document politique. Moutoyer que la kayango na science à politologue, à l'andami na sociologue, à l'andami na philosophe, à l'andami na anthropologue. Juriste n'a pas de rapport direct avec la constitution. Je vais vous expliquer pour comprendre. Tolingi tout ça la constitution asika. Na on tout ça li angote. Makambo ya koya kokota na constitution asika za loi. Eza nini? Ndambo za philosophie, ndambo za anthropologie, ndambo za sociologie, ndambo za économie, ndambo za cohabitation, ndambo za us, ndambo za coutume, ndambo za spiritualité, ndambo za religiosité. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la loi. Mais juriste, c'est qui? Le droit est une science sociale normative. C'est-à-dire, moli monaye ezali mibeko. Mais avant ça, la mibeko, biloko ane kokoma mibeko, ezali mibeko. Je vais abuser n'importe quelle disposition à conscience pour comprendre le bon alo. Zoua t'article premier. Bon, va toi comprendre. Alors, le professeur Mbata, dans sa casquette de juriste, constitutionnaliste, il peut le dire. Mais ce qui va tourner qu'un sociologue, un politologue, un anthropologue, il peut tout sauf dire ça. Qu'est-ce qui vaut plus, la vie d'un politologue? Mais le politologue étudie quoi? Le politologue étudie les politiques, le pouvoir la politique et l'État. Donc, il y a un licencié en sciences politiques, docteur en sciences politiques, c'est-à-dire, ayekoli spécialement, les politiques, c'est-à-dire l'acteur politique, le pouvoir global qu'on appelle le pouvoir politique. Et l'institution superstructure sociale. Le juriste étudie un aspect de l'État. Le politologue étudie les pouvoirs, l'homme d'État. Le politologue étudie les pouvoirs d'État. Le politologue, parce que les sciences politiques, objet dans vos amis, il y a la conception institutionnelle des sciences pour l'État et la superstructure sociale. C'est ça l'objet des sciences politiques. Deuxième, la conception dynamique. C'est le pouvoir global qui construit l'objet des sciences politiques. Est-ce que juriste, ça tanga pouvoir politique comme objet dans la classe, ou colonie? Mais est-ce que la constitution est réductible au droit? Les sciences pour sont supérieures au droit. Il y a la philosophie qui est supérieure à toutes les sciences. C'était la science mère. Depuis que les sciences po sont arrivées, ce sont les premières sciences de la vie dans la société. Parce que, et puis, au bon niveau qui était la science, c'est votre avis. Non. C'est l'autre. S'il vous plaît. Nalou kakabo comprendre ngaïté. Bon di mangaïté, n'aïngade pour comprendre ngaï. Bakomakana faculté, on a un campus, faculté des sciences sociales, au pluriel, politique administrative. Ce qu'on a tout nio. Na ordre social ni sto vanda kao et loko ni za likolo abilo konso na dans un état qui domine tout, qui administre tout, qui dirige tout. Oye sa ke soki yango e bongi baspe ya vi nyoso na mboka ane bongi soki yango e za mabe baspe nyoso ya vi wane ko bonga te babenga yango nini pour vous comprendre place ya politologue ya na homme politique na société. Il y a des personnes les plus importantes dans un état de droit, dans un état moderne, c'est les politiques et les politologues. Tout na ngandenge nini le plus important. Le plus important, c'est que tout le monde est important. Mais le plus important, c'est que le premier classé, Nzambe na likolo. Politologue. Psaume 115, 16, si je ne me trompe pas. Les cieux sont les cieux de l'éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Quand il a créé le monde, il a créé deux royaumes. Le royaume des cieux, il est mon patron, Naba Angelou. Le royaume de la terre, il a donné Adam. Et Adam est représenté par l'homme politique, l'homme d'État, le chef de l'État. Si Babé Nakaani, le plus grand d'entre nous, le chef de l'État, moi c'est Babé Nakaani, la première dame, le chef de l'État Babé Nakaani, l'arbitre, est-ce que dans un État, il y a un citoyen plus important qu'un chef de l'État? Je vais vous dire une chose.
Zulabis article 5 a conseillé le biboy. La souveraineté nationale appartient au peuple. Alinéa 2. Tout pouvoir émane du peuple. Qu'il exerce directement par référendum, par élection ou par le trichement de ses dirigeants. Article 9, le lobby, car si peuple ou un ami boti, il y en a bien. Première personne, c'est le peuple. Deuxième personne, article 9, il y a conseil lobby, c'est l'État qui doit exercer une souveraineté sur le sol, le sous-sol, l'air, les lacs, consorts, maïs, tout, yambok. Mais l'article 69, balobi, cet État qui doit exercer la souveraineté sur tout ce qui appartient au Congo a un chef de l'État. Maintenant, il y a combien de souverains au Congo? Il y a trois souverains. Le premier souverain, c'est le peuple. Le deuxième, c'est l'État. Et le dernier, c'est le chef de l'État. Il y a plus en dehors du chef de l'État qui est encore souverain au Congo. Qui exerce la souveraineté nationale et internationale dans le Congo, le numéro 1. C'est le président de la République. Le numéro 2, le premier ministre. Le numéro 3, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le numéro 4, les cours des tribunaux. Ça, c'est connu. Alors, les politologues étudient les super-hommes là, le leader providentiel là. Deux, le politologue étudie comment il était avant d'arriver au pouvoir, comment il est arrivé au pouvoir, comment l'intérêt communautaire est dans lui et comment il conçoit le pouvoir global. C'est le pouvoir politique. Oyebimbo Kamoko, politique est Zamabe, économie est bonga. Oyebimbo Kamoko, politique est Zamabe, justice est bonga. Oyebimbo Kamoko, politique est Zamabe, technologie est bonga, il s'est raté. Soko Okutimbo Kabaspe, nous c'est bongi, c'est que la politique est bonga. Alors, entre Moto a étudié une section de l'État, non, Moto a étudié l'État dans l'ensemble. Objet d'étude d'une élection État globale. Vous corrompez ça, bah, psychologue, bah, philosophe, bah, politologue. Place dans beaucoup de collègues, bah, juristes, bah, économistes, bah, médecins. Bon, on a des mots. Les coffres, Moto, Toto, Zong est la souveraine primaire. Oui, Oyazali, Oyazali, peuple. Oyazali, peuple. Tata Mokambie, Kolo, Solo. Souverain primaire. Ah, tiens, tu vois, souverain primaire, c'est qu'on est les années. Pour toi comprendre, on m'a dit qu'on a un débat au TK, je suis de la majorité, je voudrais. Non, on a un débat de Sciences Po. Ou troisième, c'est les autres institutions, les leurs alimentaires. Nassi, ça m'a tout parce que c'est que le primaire, c'est que secondaire, Azali. Et qui est le plus souverain primaire et secondaire dans le Congo, c'est ce que dit. Nassi, ça m'a tout souverain, c'est l'État. Et le troisième, c'est le chef de l'État. Selon Penza, Tata Mokambeko, la lobby, qu'on change, tout qu'on révise la constitution, et ça, urgence, c'était Torotia, à mettre en place commission, on va réfléchir sur Yango. Parce que tout n'est tout n'a pas. Les canissions, on a pour n'a partagé qui a été pendant la campagne électorale. Ce qui a zaki pensa la posa et ça les mabongo. Etant un déco, Patrick Mouye a porté parole, il y a gouvernement abimi, si maya maloba yan déco, Augustin Kabouya, ou azali a eu de paix, soit banda ki likanishwana, alobi, likambo ya changement constitution, et za priorité, et za pina ordre du jour, te, puisque ordre du jour les lots, ils allient sécurité, ils allient social, pe bon la bon. Mais le président revient pour dire non, de rosa la ngo, melambou les allient koya. Bon, cohérence. Je suis un peu plus grand que Moïse Nyarou Ngabu. Tu annonce Mouya ya nu ni et puis Mouya nu et puis Félix affirme qui est le dendo de la farce personne. Comment ça? Mais tu vois, on a besoin d'une attribution claire et distincte na misala na bango. Mouya ya n'est pas le porte-parole des leaders comme parti politique. Soit-il parti phare du pouvoir. Mouyaya n'est pas le porte-parole de l'institution président de la République. Mouyaya, Patrick, le ministre, il est le ministre des médias et porte des médias, de la communication et porte-parole du gouvernement. Or, l'article 68 de la Constitution, titre Nayango 3, je crois, et lobby, de l'exercice et de l'organisation du pouvoir en République démocratique du Congo. Un seul pouvoir, ils ont éclaté dans quatre institutions. L'institution présente la République, est autonome. La personne qui l'anime, c'est le président de la République et chef de l'État. L'institution gouvernement, est autonome. La personne qui l'anime, c'est actuellement la première ministre, Mme Nsoumino. L'institution parlement, c'est le deux présidents, les deux chambres, et l'institution cours et tribunaux. Auguste Kabouya est secrétaire général de l'IDPS, et président intérimaire, si je peux dire comme ça, de celle-ci. Il donne le point de vue de son parti politique.
le ministre des médias, Patrick Muyaya, étant les porte-parole du gouvernement, ne peut donner que le compte-rendu ou relayer le point de vue qui ont été débattis dans le conseil des ministres. Et le conseil des ministres est défini dans l'article 47, il y a ordonnance chef de l'État définissant le fonctionnement et la tradition du conseil des ministres comme espace Oyo, il y a réunion, il y a débat dans la délibération dans ma commune, c'est-à-dire le gouvernement en collaboration avec le chef de l'État. Maintenant, comme ça n'a pas été débattu dans le conseil des ministres, Patrick Muyaya, comme chargé de la communication au gouvernement, porte-parole de celui-ci, devait passer pour dire que position de M. Dabo, il tirait ça d'où? Moi, je crois qu'il est correct, il est logique, il n'a ni contredit l'IDPS, ni contredit le chef de l'État. Il a joué son rôle de ministre, de médias, communication, porte-parole du gouvernement. Maintenant, le gouvernement a fait une révision à Tata Mokambe. Kolo Ezaya qui traduit dans le programme. À quel moment révision a constitué un code? Mais Ezaya Tozo Kende, la réponse à ma question est pertinente. Deuxième élément, le président de la République est une institution qui a même un porte-parole qui n'est pas le porte-parole du gouvernement. Madame Tina, porte-parole de l'institution et de la personne du président de la République. Est-ce qu'il est dit dans la Constitution que le chef de l'État n'a pas l'autonomie de dire ce qui n'a pas été décidé dans le Conseil des ministres? D'ailleurs, le chef de l'État lui-même n'est pas membre du gouvernement. Seulement la Constitution dit qu'il a convoqué le président. Lorsque la Constitution dit que chaque fête de l'année, le chef de l'État, il faut faire un discours sur l'état de la nation, est-ce qu'il s'est décidé dans le Conseil des ministres? Non! Donc, il n'y a pas de contradiction dans le point de vue du chef de l'État, dans le point de vue Auguste. Au contraire, Batonde Balobaki que Mouya a contredit le secrétaire général Kabuya. Mais Balobaki que Kabuya a aventurier, il est bâti en brèche par Patrick. Bangonde Bakoti son Isiko. Où est-ce que Auguste Kabuya est en train de dire? Où est-ce que Auguste Kabuya ne connaissait-il mais pas? Pourquoi? Parce que Auguste Kabuya connaît la position de l'IDPS plus que le ministre. Ok, tu as dit qu'il y a une campagne électorale. Pourquoi vous avez dit qu'il y a un côté? Vous avez dit qu'il y a 6 engagements, Congo et Zobonga, Tropé Samisala, sécurité pour tous. Pourquoi vous avez dit qu'il y a ce projet? Vous avez bien important, c'est un plan. Vous dribblez, peuple? Vous avez bien important, c'est un plan dans un programme, dans la science politique, parce que dans la cour, dans la deuxième licence, les professeurs Bongiri Mutapé Sengakourouana, la planification. Vous avez important, c'est la planification. C'est pour nous permettre de gérer ce qui n'était pas programmé, c'est-à-dire les aléas. Qui a dit que pendant 5 ans, on a dit que ce qu'on a programmé? De deux, dans 6 engagements au chef de l'État, Lobaki, allez lire les mots réformes, vous allez les retrouver plus de 10 fois. Et bon, moi, changement à conduire la réforme. Vous avez dit tantôt que le professeur Mbata avait raison en partie, raison et tort. À quel niveau il avait raison? Il avait raison parce que chacun de nous ne dit des choses vraies ou fausses qu'en raison de son intérêt. D'abord, André, on dit l'intérêt est la mesure de l'action. Le professeur Mbata, à cette époque-là, il n'était pas premier vice-président de l'Assemblée nationale, il n'était pas au pouvoir et il ne jouissait pas des avantages du pouvoir. Il ne pouvait qu'utiliser sa science pour même diaboliser les biens. Ça, je te parle en tant que politologue et je suis sincère dans cette émission. Je vous ai toujours dit que je parle toujours souvent comme scientifique. Ce n'est pas un argument scientifique, c'est vraiment... Non, je vais dire ce qu'il est consacré dans la science politique. Et pour l'année, bato soko aussi ici licence OK na 3e cycle ndenga nazali pa benga biso docteur oyipane pourquoi doctrinaire inkoloba un sentimentaliste dans son domaine mais avec des méthodes élaborées scientifiquement donc thèse inkoloba vérité kakate thèse inkoloba kakabargi moyo lingi mais il a dit forme scientifique. Un doctrinaire c'est un idéaliste, c'est un idéologue, c'est-à-dire un sentimentaliste qui pense que le monde doit aller dans ce sens-là. C'est pourquoi on a même la science politique. Il y a les maximalistes et les minimalistes. Même si on a la science politique, est-ce que Baptiste n'y a pas de manac? Alors, le professeur Mbata a dit la vérité. Oui, en quoi c'est faux? En quoi c'est pas la vérité? Mais il y a c'était l'interprétation de tout fait et phénomène scientifique départ d'abord de la position du chercheur. Quel était l'intérêt? Au moins, on a avant de faire le cycle. Mais dans le banal, c'est prouvé par un domaine de recherche. Alors, ngai au coco primaire professeur université so aux ses spécialités était au maîtriser tes cours de communication pédagogique et psychologique. Nazo expliquer au marambo oyo
Et il y a un mot vrai, mais pas vraiment que ça vérité. Position à professeur, c'est quoi, ils ont changé, ils ont intérêt dans le pouvoir, c'est quoi? C'est pas le droit. Il prenait position parce que c'est moi, il était à l'opposition. Il est pour aujourd'hui parce qu'il est au pouvoir. Si vous le prenez lui-même. Si le scientifique est un être, on l'appelle analyste politique. Là, il y prend la raison vers les faits. Mais si le scientifique devient politique comme Fumutoto là, même quand je dis là, il y a un intérêt caché de ma science en faveur du pouvoir. Je prends ma science, j'emballe au profit de l'intérêt politique. Ça, je vous dis la vérité. Mais là, quand je suis à l'auditoire, je ne peux pas oser induire les enfants dans leurs sentiments. D'ailleurs, au Comécané, parce qu'en fait, un étudiant, ce n'est pas un ignorant, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose. Et ce qu'on s'est un étudiant, qu'on ridicule au professeur. Mais ça fait quand même troubler. Parce que ça ne trouble pas. Ça va troubler. Je vous dis ce que je pense et c'est la vérité. Il y a mon intérêt scientifique. Yeah. Toi, tu crois que si moi j'étais à l'opposition, je n'aurais pas dit ma constitution. Je n'aurais pas argumenté sur la bombe, que ça m'a bien. Mais n'a pas eu de problème, que ça te sait qu'il faut réviser comme ça, on a quoi intimider. Mais n'a pas eu de problème, que ceux qui sont au pouvoir, qui changent la constitution. Alors, où est la vérité? La vérité est dans celui qui veut apprendre. Mais est-ce que c'est facile d'être un bon disciple? Le monde est fait comme il est fait dans la déviation. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons récupérer la situation. Toutes les questions d'intérêt. Les arguments qu'on avance. Tout est fonction d'intérêt. Tout est fonction d'intérêt. Tout est fonction d'intérêt. Seulement dans les hommes, il y a trois types d'hommes. Allié, Atondi et Bongi. Monsusu, Allié, Atondi, dans la famille et Bongi. Non, Monsusu, intérêt, il y a un peuple qui est bon. Il y a un peuple qui est homme politique. Si nous changeons la constitution, peuple à se retrouver, c'est pas un péché. Mais nous changeons en fonction d'un individu. Mais peuple à ça n'a pas. Nous péchons politiquement. Autrement, nous avons une vérité. Est-ce que vous opposez à la changer la constitution parce que ça n'a pas raté? Des raisons. Ce que tu sais que tu as changé la constitution, et Fungo Lienz là à 7 ans, toi et Fungo, parce qu'il faut que ce que tu as changé la dissolution verrouillée, tu as bougé la bille comme il nombre la durée. Toujours ma réaction, justement. Ma réaction. Non, bref, ça veut dire mandat chef d'été là deux fois. Durée, c'est 5 ans. Nous pouvons ne pas toucher la durée de 5 ans. Tu es à 5 ans. Tu es verrouillé quand tu es. Et comme le quoi à Brazzaville. Mais quel peut être là? Mais il y a quand même opposé à ce qu'il y a un intérêt. Même ceux qui m'ont dit que c'est vrai. À quand il m'a dit qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, ils ne se retrouvent pas. À côté, ils me l'ont diabolisé. Il faut que le niveau comprenne que c'est un peu plus de pouvoir. Maintenant, mutu a pouvoir à Zolinga parce qu'il y a Zo jure na yango. Mais la vérité, c'est que toute constitution est amendable, est changeable, est révisable par ceux qui sont au pouvoir. Aucune constitution ne prévoit un mécanisme de son changement ou de sa mort. Ah, mais tu viens de dire, ah, non, je suis avec toi en français. Aucune constitution ne prévoit son mécanisme de mort. Oui. Mais la vôtre a prévu. Laquelle? Notre constitution a prévu des mécanismes. Les mécanismes de sa révision, c'est l'article 218. Là, c'est bon. Le mécanisme de sa mort, c'est l'article 5. L'article 9 et l'article 69. La Constitution a reconnu que toute souveraineté nationale appartient au peuple. Et que tout pouvoir émane du peuple. Et que ce peuple exerce le pouvoir de trois façons. Par référendum, il accepte quelque chose. Par élection, il donne son pouvoir à son représentant. Et c'est ce représentant-là qui exerce sa souveraineté, et c'est ce représentant-là qui doit venir le consulter pour la révision d'une manière ou pour le changement par référendum. Vous avez compris que si on ne reconnaissait pas au peuple la souveraineté dans cette constitution, alors personne ne peut encore aller au référendum pour consulter le peuple. Le changement de la constitution n'est pas parmi les matières. Non, est-ce que vous avez compris? J'ai compris. La souveraineté veut dire ceci. Peut s'imposer à tout moment quand il le peuple, d'abord, je vous avais dit l'autre fois, je vous dis parfois des positions qui vous provoquent, mais qui sont des évidences en sciences politiques et même dans la spiritualité. Ça signifie que la politique est supérieure au peuple. Parce que tous les peuples du monde ont été créés par la politique. Deux, le peuple est supérieur à toutes les conditions du monde entier. Il n'y a pas une condition qui est au-dessus du peuple. Il n'y a pas une condition qui est interdite au peuple d'aller au référendum. Donc, cette condition en reconnaissant dans son article 5 la souveraineté du peuple et que ce peuple-là se prononça par élection a donné son pouvoir à Tshisekedi. Tshisekedi a tout le pouvoir d'aller consulter le peuple. Aza grand frère naé, aza papa naé. Il est le souverain secondaire. Ndeko Fumuto Toto joue à quelques réactions. Maintenant, yo dans l'opposition, l'élan naé. Ou bien boyana, ou bien convaincre le peuple pour qu'il y ait un référendum. Mais qui va aller consulter le peuple au référendum? C'est celui qui a le pouvoir du peuple.
Est-ce que Tshisekedi n'en a pas? Il a été proclamé provisoirement par la CENI et définitivement par la Cour constitutionnelle et que son élection n'a pas été contestée dans l'opinion par le peuple congolais. Malheureusement, c'est ça l'évidence. Quelques réactions, il y a opposition. Voilà. Il y a beaucoup aussi ces missions. La CENCO dit non au changement de la Constitution. Selon Abbé Chaud, le problème de la RDC, c'est l'homme politique aujourd'hui qui oublie le peuple d'abord. Pour les évêques, changer la Constitution est très dangereux car ça peut déstabiliser notre pays dans le contexte actuel. Le pays est instable, dit... Est fragile. Notre pays n'est pas fragile. Notre pays est plutôt convoité à cause de ses richesses. Il ne faut pas corriger. Le pays est fragile comment? Et sa guerre économique, et sa guerre des minéraux, et aussi la terre. Tout le monde est congolais fragile, mais pas le pays. Il faut au moins des problèmes dans le bas français. T'as la misère, bien chôlé, attendu français, attendu. Mais à comprendre la différence entre un individu et un pays. Le pays est faible. Le pays congolais est fragile. Pays où ils ont des richesses, où ils ont des mots, ils ont des mots, ils ont des mots, ils ont. Il a dit l'État. Même l'État n'est pas fragile, l'État a un problème. Tout ça sous occupation, voilà, il s'agit de quoi? Deuxième élément. Tango va changer la constitution Oyo, na 2011, l'église catholique va s'agir d'accord. Après la catholique va s'agir d'accord. Va changer la moute. Oui, l'abbé Chole, la CENCO a raison de dire non. Tango va changer la constitution dans un pays, il y a 3-4 points de vue. Il y a ceux qui sont pour, comme moi. Il y a ceux qui sont contre, comme eux. Il y a ceux qui s'abstiennent, comme les autres. Et il y a ceux qui sont non alignés. Maintenant, est-ce que le nom de la CENCO constitue un pouvoir public? Est-ce que le conseil de la CENCO est un pouvoir public? Pas le bon abandon, non, c'est le droit, on ne peut pas les interdire. Mais bisous à tous, oui, tout ça derrière moto, ça souverain secondaire. C'est-à-dire, tu sais quel est le pouvoir du peuple et qui a le droit d'aller consulter celui-ci. Sauf si le chef de l'État est apprécié que c'est nécessaire. À Tiki, bisous à l'obi, par rapport à la. On a trois pouvoirs. Pouvoir à Liboso, article 218. Voilà, depuis que tu es bêté, tu vas comprendre. Révision d'accord, mais pas changement. Mais n'a pas sauvé l'article de changement à la Constitution. La souveraineté appartient au peuple, article 5. Souveraineté en Gwezali, na mabele naye, na maï naye, na likolo naye, na mi pepe naye, na bilo konyo soya. Le peuple est d'accord, na démarche. Mais vous conseillez à bilo konyo soya, nan à l'État, wana, c'est le chef de l'État. Article 69. Il est l'arbitre de tout le pouvoir public. Est-ce que le peuple a Zanabino? Est-ce que le peuple a Zanabino? Quand on a les Nations Unies, on a représenté quel peuple? C'est le peuple souverain. Maintenant, on a le peuple et tout le peuple. Martin Fayolo qui dit, Félix, tu sais qu'il joue avec le fait comme un gamin. Nous ne laisserons pas toucher à la Constitution. Le peuple a besoin. Maintenant, le fait, c'est qui? C'est la volonté de Martin Fayolo? C'est le peuple ou c'est qui? Le fait là, c'est qui? Moto, mon âne. Yé? Bon, on a le point de tomber à côté. Oh, mais à outre que les États-Unis, lui-même, le peuple, il y a un dialogue. Si vous voyez, il y a un dialogue. Tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Toute intimidation, au moins, il y a un salaire à Kabila 18 ans. Mon déjà a commis président de la République, avant tous les moyens de l'État. Mais nous, nous étions en train de dire Kabila dégage, Kabila dégage. Toute intimidation. D'ailleurs, si on combat même celui qui est au pouvoir, on peut organiser aussi la dictature. Qui est gamin? Président n'a plus qu'à ça, gamin. Si c'est qu'il joue avec le feu comme un gamin, le gamin c'est qui? Et le feu c'est qui? Donc, peuple n'est pas Martin Fayolo. Donc, on a un peuple, il y a des peuples. On a un peuple, il y a des peuples. Non, peuple, il y a des Congolais, ou dans la diaspora, dans Kinshasa, dans la province. Mais lobby au nom du peuple aussi, c'est si là. Il n'y a qu'une seule personne qui parle au nom du peuple. Dans le Congo, dans l'article 74, c'est le chef de l'État. Au Tikira la Sirisate, le peuple a besoin, un, de l'intégrité territoriale, deux, de l'éradication de la misère, trois, de la sécurité, quatre, le respect des droits humains, cinq, des institutions légitimes issues des élections crédibles. Pour cela, il nous faut la cohésion nationale et non le changement de la Constitution. Est-ce que c'est à cause de la Constitution que plus de 115 localités du pays sont sous contrôle des forces extérieures? Est-ce que Epeki Sami, le chef de l'État, qui a obéi le peuple, qui a obéi le référendum?
Question d'un côté, soit toi, comprendre toi, inverser question. Est-ce que constitution, ce qui est passé dans le référendum, ma chère, j'ai sous-té. Ce que, français, bah, comment qui n'a constitution à 5e république? Est-ce que le peuple, la tangoise, a posé un référendum, tout n'a posé à l'IPA? Maintenant, ce qu'on est, Nakimia. Ce qu'on a balou qui se coupe, on a qu'un de côté d'Abiso. Et là, on a posé un gabande de Nabiso, union sacrée, bandana, mon constitution, n'angaï. Et ça, on a koué, bah, quand les Congolais n'ont pas révisé la constitution, ils ont pensé côté la constitution. Ils ont dit qu'il y a un nombre de détournements au sein des manignons sacrés à ciel ouvert. Ils ont dit qu'il y a un problème sous ce qui est résolu. Alors, tu as dit que ceux qui ont changé la constitution, ça dit que tu as un pouvoir, puis tu as changé ma cambote. Alors, tu continues à faire quoi? Revendication est légitime. Il faut que tu aies un nombre sacré. Tu as changé la constitution et comment tu as mis dans mon bec. Mais tous les salariés pour que Makambo ya Moïbi ya Kanya Koyo, Alinget, IGF, Bazako Bunda, Mikolonyonso. Et ça dit comment na linga yeb sa yo. Moi, je suis Daniel Mkoko, je suis en difficulté à Kusakanate. Ah, yeba, qui est épais, hein? Makambo ya Moïbi ya Kobimisa Mosolo. Il a créé société Moko, Adra, RDC, DRC, pour Ati Abandeko Naye, ya cabinet Naye, ma membre ya famille Naye. Pour payer baka bon on peut n'étaler il cambouya contrôle échelonné pourtant qu'on a pardon paiement échelonné pourquoi na mobe ko étaler le lengeni ba pétrolier c'est ba futaka Congo bon on a yé ils ont trois types de paiement. Il y a paiement intégral c'est le futa nyongo l'état nyonso et sengeli notre paiement je crois des cadres, c'est-à-dire au Kofuta est dans 50 jours, na paiement échelonné au Kofuta est na 3 mois tout na 60 jours tout le bas pour battre pas comprendre. Ce qu'on y a, eloko ni ni mukoko samba akufeli. Balobi ke yende a créé Adra DRC One. Or au nom du principe de la continuité de l'État, d'abord na kei musika. Il faut battre pas baké. Décision nyo so ministre économie a kozwa to vepem de l'économie pon etali ba pétrolier esengeli IGF aya atala yango a certifié conformité na yango en ce qui concerne contrôle a priori. Or Adra DRC ezalaki avant mukoko samba dede DGDA ande moutou apesa ka ministère de l'économie liste ya ba opérateur pétrolier ba produit pétrolier ou sengeli ba da redevable na l'état. Déjà mukoko samba le professeur nana kokoko maka ministre te Adra eza reconnu pas comme opérateur pétrolier mais comme association eza ko evre na secteur wana pezre ba bénéfice ebele. Ce qu'on y est au nom de la continuité de l'État, na liste oyo DGDA azo pesa ye, azo mona pe, na eloko wana, ONG wana Adra, ezana 4. Comment doit-il créer une structure de fraude qui a existé avant même ya koma VPM de l'économie et a kouta ki dossier si table et au nom de la continuité de l'État, na asale la kiyango. Il n'a pas vérifié. Il n'a pas vérifié. Le ministre de la Finance a commis Mukana na DGA. DGA, déjà qu'à suspendre schéma wana et puis ebimi lokola mukoko samba azanancé à saldra ya détournement. Par contre lite ya mukoko samba pour que to augmenter pouvoir cha ba congolais et sali sans commune mesure et sans précédent mais vraiment eloko mukoko samba kokiko kufela wana ngai nde munalobi ezali tango mukunzambo ka sengiye alité contre la vie chère peut augmenter pouvoir d'achat des congolais à redresser le secteur productif national et puis à formaliser le secteur informel pour arriver à la prix à Biloko et Mataki. Il y a eu beaucoup de taxes et des aïe comme à Biloko à tel point que douane et Nabiso et comme à qui collecte au sombi moutouka n'a demi-euro n'a poto mais pour le moulango et comment les canards pris au sommet à quel homme mais c'était dit à quoi Mukoko Samba a pris une décision courageuse. Il y a comme faire perdre avantage au ministre Moussous et économie. Bandai Kozoua, na kanyaka moko de la kina katuan en homme d'État, je me réserve, y a supprimé qui beaucoup de cartes fiscales et parafiscales. Je pense qu'il y a un cause à la base, il y a tout ce qu'on veut comme qu'on salirie. Mais comment Mukoko Samba, à cause à responsable d'une structure de fraude, y a moutou a créé un côté, à kouta ki yango, il n'y a pas certifié qui existence na yango.
Est-ce que Jeff ne comprend ici la langue ta coquille jamais qu'on dit mais l'autre dans zélate pas certifié en gros ce que Mokoko Samba va faire exister une structure avant même qu'il y a comment veut prendre l'économie. Il est donc, il est sain dans sa gestion selon vous. En attendant, il y a une preuve, il y a Mabé Naye, Aya Nayango, au moins que Mokoko Nani, de Komatata, le Baki, qui est la DG, non à 30, Aïe Baki, Mendegani, ni Balongoli, Likola, Moibi, Bam, na Pesaki, yo, compte Nandi, ou bien, Nani, information, Oyo, conseil d'administration, à Bango, et statue avec ce dossier, Naye, et la Kisakete, na ba suspension, ba Pesaki, ta ba vérifier nyons article ko zo mana mabete mais alongwa ki déjà na on atra seulement parce que mibe ko lobi ke soki responsable de gestion azali suspendi et le kan 3 mois quelle que soit innocence na e a kozo nga su na musalate yango bango ba adversaire politique na ba kangela ki e gout kote wana et tant ba ko statuer commission 4e mois après bien qu'on lui a donné raison mibe ko ça ki e et ça moi même de ki e. Qu'on puisse, je crois que le ministre Mokoko Samba a été ministre du budget sous Matata, il est aussi aujourd'hui ministre de l'économie, vice-premier ministre, ministre de l'économie. C'est vrai qu'on a, on a changé de sujet, mais particulièrement moi je voudrais qu'on puisse rester... Ce qui est prioritaire maintenant est l'ali social, en résumé. Sécurité, oui, je suis d'avis. Mais est-ce qu'il y a un lobby qui est un prioritaire pour changer la constitution? Où est-ce qu'il est dit que pendant que les sociales posent problème, entre autres, on ne peut pas réviser ou changer la constitution? Ce n'est pas dit. Pour changer la constitution, pour réviser, ezali na droit ya mukozi ya mboka. Ezali na droit ya moto mususu na noté. Et puis, ezali makaka kana bato na pouvoir. Il y a un pouvoir. Je pose juste, deux questions et puis je vous laisse poursuivre, continuer. Voilà. Willy Michi, qu'on nous avions reçu, là où vous êtes assis, il disait que actuellement, changer la constitution, c'est consacrer la partition du pays. Le professeur Devos Kitoko, presque à dans le même sens, il a dit si on veut changer la constitution, qu'on est censé passer au référendum dans les zones occupées, comment ça va se passer? Ok. Mais alors, naturellement, maman, on peut aussi ajouter à l'ingal vous-même, hein. Il paraîtrait que l'un 23 fait un communiqué qu'au cas où Tshisekedi change la constitution et ils vont proclamer l'autonomie des territoires qu'ils occupent. Maintenant, entre Tshisekedi et ces gens-là, par rapport à ce point, qui insulte le peuple congolais, qui ne reconnaît pas la souveraineté du peuple congolais, le président Tshisekedi dit ceci. Pour des dispositions matricielles de la constitution, c'est-à-dire non touchables de la constitution, je n'ai pas le pouvoir de le faire, il n'y a que le peuple qui peut le faire. Ça, qui s'en qu'il a dit. Bon étal. Allô, bien. Excusez ouais. Parce qu'on n'a pas la parole. Bon étal, il dirait, dans un nombre de mandats, n'a donné ma coquille à Kosala Yangoti. Article 220. Article 220. C'est ce que le chef de l'État a dit. Maintenant, lorsque M23 a dit, Soka a changé la constitution, Toko Kabolamboka. Première chose, entre Félix Tshisekedi Mutalobi Bongo. Na Moïse Katumbi Mutalobi. Tshisekedi a bengi ba congolais, ba peuple congolais étranger. Alors que la constitution a été écrite par les étrangers à l'étranger. Est-ce que le peuple congolais mouta comment qui constitution ou bien approuva qui n'est pas référendum? Moïse Katumbi, à tort de sens, il y a communication chef de l'État, alors que c'est qui n'a n'inga. Deux, lorsque Moïse Katumbi dira, si là, dans un pays sérieux, Tshisekedi devait démissionner, nan a fini peuple congolais qui a la sérieux. C'est Moïse Katumbi. Est-ce que Tshisekedi a fait un peuple congolais? Maintenant, Tshisekedi a lobby. Pour na makambo ya minene, il faut qu'un peuple y ait mon corps à se prononcer. Maintenant, Devos Kitoko, Willy Mishiki, honorable Willy Mishiki, le député Willy National Willy Mishiki, parce que honorable maintenant dans la constitution, tu benga bango ka para crainte. Mutu moko te ba benga honorable la constitution. Même excellence ba benga mutu te na po. Alors, baka ministre, premier ministre, député national, député provincial, moi, bon, moi, ba député, ba kangama, na mouna, ba sénateur, et dans la constitution. Ba koka kinde soki ba sali, moussala, et n'y a zané moua prime, to pesak, o député, et tina te, to tika lika kombo député, parce que ça constitutionnel. Mais ya ma qualité, to benga honorable député. Mais ba mouna, n'y a sous moua honorable te, et ya député, ba kangama honorable, on a vu député national. Pour kombo honorable, et ça constitutionnel. Sauf erreur de ma part, n'a corrigé. Maintenant, yoka sikoyo. Référendum, c'est une question de changer la constitution, tu as dit souveraineté à Mokonzi. Martin Fayoulou a dit, il y a un président élu, c'est-à-dire peuple à l'ingakandeye.
Moïse Katumbi alobi tiseke na tricha ki a gagné ki te yende a gagné ki. Zali peuple a linga kandeye. Devos ki toko la même chose. Mazo ke notu na mutu a linga kayo. Nenge no kani ko kabula mboka suba zo ke notu na kolo likam. Telefon ou ya Naomi. Na ake nena tu na yeso ka ko kabela ngango. Yo alobi so omeko ke notu na ye na otumba televizyo. C'est-à-dire vous ne reconnaissez pas la souveraineté de Madame Naomi. Non. Les gens du M23, balobi non, ce qui tu sais que dit ameko si ba constitution ba proclamer autonomie. Ya, ba mboka bazali, ba violer constitution. Bango balobi ba battre la constitution. Constitution tini bango sa rébellion, article 64, le binin. Toute tentative de renversement du régime institutionnellement établi et anini. C'est la fin de donc, l'élection. Il ne faut pas que les Congolais paient sa matoye. Ce qui est mon cas, c'est à ça la boue. Tu sais qu'il va aller demander le peuple, il va nous trouver dans le peuple. Il faut communiquer dans le peuple avec Kondima. Mais surtout, il communiquer à Kondima. N'est pas à Kondima. Même si on a dit que c'est comme ça. Mais surtout, il y a un peuple qui est là pour, ça veut dire, le pouvoir à gagner. Contre, ça veut dire, le pouvoir à gagner. Tout ce n'est pas là. Il y a que ce n'est pas opportun. Ou bien ce n'est pas faisable, mais surtout toujours l'excès que c'est faisable. C'est ce que vous avez dans commentaire, pour l'émission de la Rabine. Vous avez dans le commentaire. Ceux qui sont pour se prononcent dans nos émissions. Alors, maintenant, lorsqu'il y aura référendum, ceux qui sont pour vont se prononcer, ceux qui sont contre vont se prononcer. Maintenant, ceux qui vont décider que. La tricherie. Va autoproclamer la partie occupée. Non, ma machine, ne va pas dire quoi. Non, va autoproclamer la partie. Non, mais l'opposition, c'est l'effort. Tu as dit Kabila a pouvoir en 2009. Est-ce que Mouto Kabila Lingaka qui t'en a dit que tu c'est la stratégie de l'opposition. Même ceux qui le lobe a déverrouillé, article. Oui, ok, non. Totikika a 5 ans, mais Mouto a se retrouvé. Mais dans le Sénégal, il y a un changement. Est-ce que le pouvoir a Mouto a dit l'opposition s'est bien organisée. Mais évitez, pourquoi Kokende Koluka Bavoy a divisé le Congo, qu'on s'autoproclame un état autonome, alors que la bombe la plus redoutable, c'est le peuple lui-même. C'est la fin de l'émission. Donc on n'a pas le peuple, on n'a pas la projet. Merci beaucoup, monsieur Fumototo. Ma dernière question pour te citer. Momo Koto, dit l'Obama, tata mon kambéko, la loba qui crée réaction à Banga Mounions. Opposa Yanzala. Le président de la République, Yannine Kolobani. Ah, t'as la dit qu'à Momo Soussou Batoua, ça y récupération. Au moins, il fallait que c'est qu'il y ait un quinoa. Alors, il y a un quinoa. Parce que tout le temps, il y a un quinoa à Makanza, tout le temps, il y a un quinoa à Kinshasa. C'est ça, non? Lui parle de quinoa. Bon, opposé à Nzaro, il y a un Rwanda, Kobenga, Payabaya, Kubundisa, Bisso. Est-ce que tous les opposants sont dans Nzaro? Moi, c'est que tout le monde est dans Nzaro. Martin, il faut ce qu'on est concerné par Nzaro. Au moins, Nanko. Naomi, est-ce que tous les opposants sont dans Nzaro? Non. Est-ce que tu es opposé à la Bazali? Bazali. Maintenant, est-ce qu'il s'est adressé à tous les opposants à Nzala? Na français, ceux qui te limitent au traduit, tu es opposé à Nzala, parce que na Rwanda, on allait dire certains opposants affamés ou certains opposants assoiffés de l'argent. Mais il s'attaque trop aux opposants, à l'objet opposition à mais opposition à pouvoir dans la Bambana, c'est quoi? Mais elle a yembi, non? Mbanda zali kaka mbanda camarade yani. Mais constitution consacrée bon banda entre pouvoir. Bango faut pas bêta, biso faut to bêta bango, mabene ko bêta bango ko finga. Ou bien ko tuba bango meli, mais ko l'opposition faible. C'est ça la communication du pouvoir. Donc olingi to tike la bango bazo a peuple, to wele la mobali, mobali yango peuple congolais. Biso mobali moi ça li boso, bango moi ça mi balé. To wele la. C'est ça la communication. Bon yo mona ka Macron na opposition ko nande simba ka. Mabende ko sala guerre de loyale. Mais communication, opposition à Nzala, ok. Naningina Lubanobo. Naoutu Kosala débat na opposa mokona boy na wotang de konangai. Mena tangalika kapoa si kela naita se mon frère. Pati katang. Tangalinga commenté ma beka fingi biso opposition. Non, il n'a pas insulté l'opposition. Soka le baki opposition à Nzala, ça va. Ba opposa, certains opposants. Alors, yebisa na mate faou la zana Rwanda. C'est que Moïse Katumbi kena Rwanda. Autobazoken. Ah, mais comment on ne peut pas comprendre? Il nous faut que la communication, il faut éviter de chercher la petite bête. Il y a le lobby opposé à ça. Pourquoi le lobby opposé à ça? Parce que tant que vous faites la compréhension de la République, même si vous avez fait opposant. Franck Dongo, tu vas nous télé. Quelques temps après, Franck Dongo a commis qu'on communiqué à tant que vous avez fait un boticaye, moi, papa, tout ça. Pour que vous avez fait quelque chose. Dans la monique, ils ont oublié là.
à longueur comme yo kanis frère que donc tant attaqué na tante parce que la communication na yawa moi na ya vie moi ni ce qui fait c'est que là le ministre bas dans Rwanda c'est quoi. Il y a les gens qui devaient attendre, mais qui n'ont pas pu attendre. Ce qu'on a une place, on a conseillé à Mokonza comprendre que ce qui nous a la tête, il y a un peu de temps, alors tout ça, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Ça, c'est ma conseil. Dan, est-ce que vous m'avez dit? C'est la fin de l'année. C'est-à-dire, ni de temps, il y a un peu de temps. Or, on a un simple bilan qui a été en Congo, il y a un numéro 1. Tout ça, c'est un bilan qui a été en Rwanda, ça nous ajoute des ennuis. Ça, c'est mon point de vue. Mais à finir, il va poser un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Est-ce que Moïse Katumbi a la lanzara? Est-ce que Moïse Katumbi a suivi la lanzara? Est-ce que Martin Fayoulou a la lanzara? Martin Fayoulou, c'est parmi les Congolais aussi. Donc, est-ce que Martin Fayoulou a mis la place? Est-ce que Martin Fayoulou a mis la place à Rwanda? Ce qui n'est pas en Rwanda, il y a un peu de gagné la vie au-delà de la politique. Alors, pourquoi vous avez un peu de temps? Il y a des opposants à taille unique qui se sont en Rwanda. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Merci. 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 Merci